Mauritius Institute of Training and Development, MITD, c'est une organisation qui tombe sous le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines. Seul objectif, c'est promouvoir l'excellence dans l'enseignement et formation technique et professionnelle à travers une variété de cours qui est dispensée dans différents secteurs. Le monde du travail évolue à travers le temps. Aujourd'hui, le monde du travail est dominé par la technologie. Et pour un jeune à l'aise à la technologie, il est bien besoin d'avoir la connaissance et les compétences requises. Quand vous gagnez ça, c'est l'élevage de suivre le cours au MITD. Le MITD, nous existait depuis 32 ans maintenant. C'était IVTB avant, depuis 2009, nous, MITD. Nous opérons 20 centres de formation pour le moment dans différents secteurs de l'économie. Par exemple, nous dans l'hôtellerie, l'ingénierie, la mécanique, l'électricité, l'automobile, nous dans le textile, beauty care, hairdressing, agriculture, printing, ou dans ce secteur-là, MITD est présent. Nous faisons des cours à différents niveaux. Nous commençons par un niveau de base, qu'on appelle le National Certificate niveau 2. Nous montons niveau 3, 4, 5, jusqu'à nous faire des cours de diplôme. Et notre target population, c'est les élèves qui finissent faire grade 9, et les élèves qui terminent le school certificate, et nous aussi, nous avons des élèves qui terminent la HEC et nous avons à différents niveaux. Nous faisons cours à plein temps. Les jeunes élèves viennent avec nous pendant une année ou bien deux ans d'après cours, ils font cette théorie pratique avec nous. Nous avons aussi un système d'apprentissage. Apprentissage, c'est le même cours, mais les élèves-là, ils font un jour théorique dans nos centres de formation et nous placent les quatre jours dans l'entreprise pour faire pratique. C'est-à-dire qu'ils gagnent l'expérience sur le tas. Et aussi, l'avantage d'un apprentissage, c'est que les élèves-là, à la fin de chaque mois, ils gagnent un stipend de 5 000 roupies, comme stipend, plus 1 000 roupies de transport. C'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre et ils peuvent earn en même temps. Okay? Nous aussi, il y a un coût pour les gens qui ont déjà fait travail. Parce que, comme je disais au début, la technologie peut changer tous les jours. Les gens ont besoin de connaître la technologie. Alors, ils peuvent suivre un cours à temps partiel dans l'après-midi ou bien dans le samedi pour gagner une nouvelle technologie. MITD aussi octroie un certificat. C'est-à-dire nous faisons l'examen et nous donnons un certificat. Pour nous, un cours et pour un cours, un centre qui est enregistré auprès du MQA, nous aussi faisons l'examen pour et nous donnons un certificat. Aujourd'hui, dans l'actualité, vous connaissez le résultat SCF gagné et dans les jours à venir, vous gagnez le résultat HSI. Alors, pour les élèves qui terminent ici, pas plus capables qu'Aldo HSI, qui n'a moins que 5 crédits, MITD a une série de cours qui déjà existaient. Un cours en informatique, en électronique, un cours à l'école hôtelière, déjà existait. Et aussi, nous pouvons introduire un nouveau cours pour ces élèves-là. Par exemple, nous avons un cours dans BPO, Business Process Services, qui nous peut introduire. Comme vous connaissez le secteur BPO, c'est un secteur qui de l'avenir et bien du monde dans ce secteur-là. Alors, nous lançons ce cours-là là-dedans. Nous avons un cours entrepreneurship, pour un monde qui nous a fini faire certains cours techniques, de cas, setup, de propre entreprise. Nous avons un cours de professional sales. Aujourd'hui, tout le monde peut cause renewable energy. Nous avons un cours qui nous peut introduire dans l'énergie renouvelable. Alors, il y a une série de cours pour les élèves qui n'ont pas réussi à HSI. Ils ont venu suivre le cours avec nous. Ça veut dire qu'ils ont terminé. Ils ont beaucoup à dire qu'ils ont pu garantir qu'ils ont pu gagner un travail. Si ils ont envie de continuer l'étude, ils ont fini de faire un cours avec nous, la possibilité existe. Ils ont rendu un cours de diplôme avec nous-mêmes ou bien ils ont capable à Polytechnique Mauritius pour continuer un cours. Et de là, ils ont fini un cours de diplôme avec nous-mêmes. Ils ont gagné, ils ont continué un top-up degree à l'université. Alors, possibilité pour les élèves de rentrer dans MITD, aller dans le monde du travail ou bien de continuer sur l'étude pour y arriver jusqu'à l'université. La possibilité existe. Nous pouvons faire recrutement en ce moment. Alors, vous pouvez consulter nos sites web, nos pages Facebook ou bien vous pouvez aller dans un centre de formation à travers l'île pour gagner plus de renseignements et vous pouvez faire inscription là tout de suite. L'école hôtelière Saint-Gaëtan Duval, bien parmi un centre de formation technique et professionnelle de MITD. Côté des élèves, il y a formation théorique, mais aussi formation pratique dans l'industrie qui est plus important pour les élèves. MITD, école hôtelière, il existe depuis plus de 50 ans. Hein? Donc, d'ailleurs, nous sommes là aujourd'hui dans ce nouveau bâtiment-là qui est opérationnel depuis l'année dernière. Donc, nous, l'école est en extension. Et nous offrons différents cours dans plusieurs domaines de tourisme et l'hôtellerie. Donc, par exemple, le front office, le housekeeping, le restaurant, la cuisine,
la boulangerie, la pâtisserie, donc un vaste étendue de coûts très vaste. Et aussi, donc, nos bonnes coûts, il y a plusieurs niveaux. On a ceux qui finissent faire forme 4 ou soit finissent échouer forme 5. Et dans les autres étudiants qui sont capables de passer forme 5, et dans même une passe HSI avec at least 2 élèves. Donc, nous avons un bon coup de diplôme qui est reconnu internationalement pour ces bons élèves-là. Mais là, donc, nous pouvons faire le processus de recrutement en ce moment. Nous pouvons recruter environ presque 800 apprentis dans les différents domaines de l'hôtellerie. Nous pouvons aussi recruter de bons élèves au niveau de diplôme dans le hospitality management. D'ailleurs, donc, nous sommes en pleine période de recrutement en ce moment. Nous pouvons recruter 800 apprentis dans les différents domaines de l'hôtellerie et puis aussi nous pouvons recruter de bons élèves au niveau de diplôme dans hospitalité et tourisme. Donc ceux qui sont intéressés, qui auront les résultats de HSI 2 level et même ceux qui ont le SI, ils peuvent capables venir inscrire à eux le 21 septembre ici à Ebene à l'école hôtelière. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.